savez, capitaine, qu'il est bien spécifié dans le testament qu'en acceptant l'héritage, vous vous engagez à honorer les contrats qui étaient en cours lors du décès du commandant Paparanik. Nous savons, Maître Zornu nous l'a dit. Dans ces conditions... Quand je pense que ce cher professeur Tournesol est enfermé dans son laboratoire. Enfin, il a promis de nous rejoindre à Athènes, la première escale de la Toison d'Or. Et de là, nous rentrerons tous ensemble, au gré des vents et de la fantaisie du capitaine. Et mon bateau? Le voilà, capitaine. Voilà la Toison d'Or. Comment? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que ce misérable petit tas de ferraille... La Toison d'Or, cargo de 130 tonneaux, battant pavillon turc, construit en 1913, inscrit au registre maritime d'Istanbul, sous le numéro 6520. Alors c'est bien décidé. J'écris au professeur Tournesol que nous rentrons à Moulinsart. Adok Effendi! Adok Effendi! Capitaine, on vous appelle! Adok Effendi! Vous dormez, capitaine? Vous disiez? On vous appelle. Adok Effendi! Qu'est-ce qu'il me veut, ce bâchi bonjour? Adok Efendi! Sizi telefondan istiyorlar. Çok mühim mi, çok mühim? Telefon, telefon efendi. Çok mühimmiş, çok mühimmiş. İşte telefon, işte. Alo. Oui, c'est moi. Comment? Mais, c'est une plaisanterie. Et, 1000 millions de sabords. Mais enfin, monsieur. Eh! Oh! Oh! Tonnerre de Brest. C'était une erreur? Non, pas une erreur. Un ami qui nous veut du bien, il me conseille de vendre au plus vite la Toison d'Or. Pour quelle raison? Il paraît que si nous ne vendons pas ce bateau, il pourrait nous arriver de graves ennuis. Mais c'est une menace! Une menace! Je le vendrai si je veux, ce bateau! Il est à moi! Non! Le Zoulou qui a inventé cette pipe à réaction. Permettez. Hey! C'est sans doute la première fois que monsieur fume le narguilé. Oui, la première et la dernière. Ce monsieur vient d'arriver sans doute à Istanbul. Ce matin. Si vous le permettiez, je serais très honoré de vous servir de guide et de vous faire redécouvrir les trésors cachés de cette grande cité. Qu'en pensez-vous, capitaine? Bah, pour une fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous parle d'autre chose que de la Toison d'Or. Nous sommes d'accord, monsieur. Alors? Milou!
Je suis navré, vraiment navré. C'est bien la première fois qu'une barrique me fait peur. Un dernier effort, capitaine. Allons. Le couronnement de cette journée. Du haut de cette tour, la plus belle vue sur Istanbul. Venez, monsieur, venez. Mais nous sommes enfermés. Enfermés? Monsieur Malik! Monsieur Malik! Essayons par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça alors? Vous avez une allumette? Là, dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Une potiche. La vôtre. Barrer la route. Oui, oui. On va trouver un moyen pour s'échapper de là. Allez, canonnier, à vos pièces. À bas bord. Je vais vous expliquer, c'est un malentendu. Vous nous avez attirés dans ce guet-apens. Il faut nous en sortir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous allez leur dire que la police arrive. Police! Il y a des gens qui se bouquent. Qui sont partis. Vous voyez bien que je ne suis pas un méchant homme. Parle! Oui, c'est mon métier de promener les étrangers. On m'a donné 10 livres pour vous faire visiter la ville. Qui vous a donné ces 10 livres? Un homme dans un café. Bien entendu, vous ne savez pas son nom. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a donné ce papier, là, dans ma poche. Vous voyez, c'est l'itinéraire de notre promenade. Laissez-le courir, capitaine. Nous n'en tirons rien de plus. Thank you.
Attention à ce que vous faites, Adam Plant! Qu'est-ce qui m'a fichu un équipage pareil? Pour le phénomène de tonnerre de Brest! Tirez Stroy! Tirez-moi Stroy! Larguez les amarres! Prenons les jouets! Pour ridiculiser votre capitaine! Makina telefonda hazır. Solo mi disimio ese galazzo di Yesu. Praktika tutu azon d'or.